Bandeko balandia Congo Live Télévision pona biso eza honneur et munene koyeba bozali ebele tulubi ambote moyo mbote nangi na ba kongomani nyoso baki kolanda beto na ngonga yai na diaspora tulubi matondo mingi na ba kongolais nyoso oyo baza concentré sur l'est de la République démocratique du Congo pona lelo zoya bandeko na biso oyo abengami na lopoto Christophe Mwisa moko ya bazalendo Moko ya bajene oyo déterminé lelo pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo balobi bazar révolté komona bitumba ezo persister plus ya 30 ans 12 millions de personnes basi bakufa lelo tozo ya mbaye na plateau ya Congo Live Télévision pour plus d'actualité monsieur Mwisa bonjour Pebouye Elam Bonjour Mopanzi Sango matondo mingi na ba nyoso bazolanda biso na bilili ya Congo Live Télévision na PCP matondo na bino oyo bo invité biso na kati ya mission oyo penza merci beaucoup pe na banzi ete ke na ba échange oto kosala ekozala très bénéfique na jeunesse ya Congo pe na bakonzi na biso bazokamba biso na maboma exceptionnel pe difficile oto zo traverser bitumba epai nzala epai ba réchauffement climatique epai en tout cas ekozala penza makaniso oto kopesa po aider jeunesse bilenge na biso pe bakonzi na biso pe toko soutenir ko lancer ba message ya soutien ya na mapinga na biso FRDC déjà au lobby jeunesse virgule moko ekoti jeunesse lelo tozomona jeunesse congolaise to tie lango miso bilenge ba jeune congolais to moni ba jeune ya Burkina Faso engagement bazana ngou face ya bitumba ezoleka na kati ya mboka na bango mais soki tozongi na kati ya République démocratique du Congo il y a un peu la différence nini ezo sala différence za te ba contexte nde ezali différent mais différence ezali te pote soki omoni penza ba contexte oyo jeunesse ya mboka na biso ezali ko se maintenir po boyebi ke biso tokola na mboka oyo batata na biso bazalaki na ba hôpitaux ya malonga bazalaki na basalaire ya malonga bazalaki na misala kasi biso lelo tozali kotanga na ba école ya malonga te tozali na ba accès ya ba soins de santé te tozali na accès ya ba emploi te toza kutu génération oyo tozali na ba héritage ya malamu te okomona ke lelo ba oyo nyoso bazo sala bazali bana ya batata oyo bazalaki kosala toyo zo ba exemple ya ba molendo sa kombi ya ba Tshisekedi na ba nyonso bazo kosala bazali bazali bana ya ba héritier ba basala ki deja kala kasi pona biso ya leloyo tozali komi débrier tozali déterminé et lisusu nazoli penda ko rendre hommage na jeunesse ya Congo ya lelo po ete ezali penza facilité kokola pe ko tanga na ba condition biso tozali ko tanga ti lelo to se maintenir c'est vrai il y a ba tozali na ba dérapage oyo ezali ko mona na mais en tout cas coup de chapeau na majorité ya jeunesse oyo ezui conscience pe lelo ezali ko bundisa po bazwa penza place de choix pe ya valeur na kati ya ba institution pe na société na biso tozo mona ba jeune lokola Nathanael ba jeune lokola Christophe Mwisa il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui commencent à se réveiller et prendre conscience que mboka oyo za ya bango ni nezo motivé bino mais c'est ce que j'étais en train de dire même lorsque vous voyez Costa Mutamba aujourd'hui sa promotion c'est lié à l'engagement et à la détermination qu'il a eu et plusieurs autres jeunes les exemples sont légion c'est difficile de commencer à citer les noms au bout des doigts mais je vous assure que en voyant les conditions dans lesquelles cette jeunesse est grandie moi je les rends hommage parce que effectivement nous aujourd'hui nous n'avons ni héritage ni recommandation ni parrainage politique pour se retrouver quelque part mais nous nous sommes bâtis de notre propre force de notre propre détermination pour nous retrouver là où nous sommes. Je le disais, on n'a pas eu de très bonnes écoles. Nous n'avons pas étudié dans de très bonnes écoles. Nos parents aujourd'hui n'ont pas de nous. C'est-à-dire, nous n'avons pas même l'héritage parental aujourd'hui. Eux, Trotsky Kolobaké, Penza Tata Nanga, Zalaki ministre, Zalaki déjà entreprise, Pakala Tosongolo. Mais aujourd'hui, nous nous distinguons dans la communauté en faisant ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si vous prenez le temps de nous inviter dans de telles émissions, c'est parce que vous voyez en nous, il y a des capacités, bien que les conditions de vie sont extrêmement difficiles, mais nous nous distinguons, contrairement à nos pères qui avaient tout dit, qui avaient eu tout. De leurs parents
peut-être en termes d'héritage, en termes de parrainage ou même en termes de positionnement social ou politique. Mais à notre niveau, nous grandissons dans la misère, nous grandissons dans le chômage, nous grandissons également dans l'insécurité, mais jusque-là, nous gardons espoir et nous sommes conscients des responsabilités qui pèsent sur nos épaules, contrairement à d'autres générations aujourd'hui qui ont hérité tout de leurs parents. Donc, Tokende, toujours la situation dans l'Est de la République. Notez déjà qu'il y a de jeunes engagés aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Il y a de jeunes révolutionnaires aujourd'hui qui ne gèrent que les changements de la RDC. On y va. Après, rencontre de ministres. Oyo Bazo Benga, à notre mandi, Bazo Benga Bango, conseil des ministres. Oya Yamboui Salimi, gouvernement souminois. Et tiki koyo kamake, chaque après 3 mois, bako salaka évaluation y a chaque ministère. Vous personnellement, quelle analyse portez-vous à cela? Alors moi je pense que c'est une très bonne idée parce que dans tous les cas les ministres ou le gouvernement n'a pas de mandat de manière élective. C'est-à-dire un ministre, il peut être nommé et révoqué même après 2 jours. C'est-à-dire les faits pour le nouveau gouvernement, effectivement, parce que ça a été dit même pendant la période du gouvernement Samalou Kondé, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une mesure qui a tout son pesant d'or, parce qu'effectivement, il y a certains ministres aujourd'hui qui se considèrent beaucoup plus comme des privilégiés au lieu d'être comme des serviteurs. Étant déjà, ayant déjà la responsabilité officielle de l'État, en principe, vous êtes les serviteurs de la population. Et s'ils ne comprennent pas cela, en tout cas, au bout de chaque 3 mois, non seulement ils doivent évaluer au niveau du Conseil des ministres, au niveau des contrôles parlementaires, mais au niveau de nous, les citoyens, nous devons également évaluer les prestataires ou les animateurs des institutions de notre pays, en fait, effectivement, de lancer peut-être des pétitions ou à travers des médias comme Congo Live et les autres, pour que nous puissions émettre notre point de vue en disant tel ministre a failli à sa mission, tel ministre a été favorable par rapport aux efforts qu'il est en train de fournir. Et nous, dans tous les cas, c'est le mandat du président de la République et son bilan qui sont mis en jeu. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à évaluer de manière régulière les différents ministres pour qu'à la fin du mandat du président de la République, parce que c'est à lui que nous allons demander des comptes et non au ministre, bien que ça pourrait se faire de manière cumulative, parce que tout le monde effectivement a droit de présenter son bilan à la population, mais les responsables effectivement c'est le président de la République qui les a nommés par ordonnance présidentielle. Donc pour moi je trouve que c'est déjà une très bonne mesure, et à la population, lorsque nous serons en train de nous mobiliser pour dire que tel ministre doit démissionner, en tout cas qu'on ne déploie pas la police ou les services de renseignement pour venir traquer les gens, parce que seulement on a dit tel ministre n'a pas été capable de répondre aux attentes de la population, et du coup il doit soit démissionner, soit être révoqué. Mais nous le ferons toujours, parce que c'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Et dans le contrôle citoyen, par exemple, aujourd'hui nous sommes dans une situation de guerre où nous réclamons qu'il y ait l'établissement de l'état-major général à l'est de la RDC, où le ministre de la Défense et l'ensemble de tout l'état-major général doivent s'installer à l'est de la RDC pour faire le suivi régulier des opérations militaires et de la situation sécuritaire. Déjà à ce niveau ici, nous prenons M. Mwadiamvita à l'œil pour qu'il vienne s'installer à Goma ou soit à Ituri, le temps de lui permettre de faire l'évaluation de toute la situation sécuritaire. Au même titre que les commandants, le chef d'état-major général, Chiwewe, et aussi doivent prendre cette question à main. La nouvelle première ministre a aussi inscrit la sécurité et la protection de l'intégrité territoriale parmi ces 6 piliers, c'est-à-dire c'est très primordial aujourd'hui, parce que les peuples congolais, nous ne pouvons pas continuer à penser au développement tant que nous sommes assiégés, tant que nous sommes occupés. Mes amis, ça là, les députés qu'on a dans le gouvernement, les députés, s'il vous plaît, sont des représentants du peuple. Un représentant n'est pas synonyme d'un remplaçant. Ils ne sont pas les remplaçants du peuple. Vous mettez en cause? Non, nous ne mettons pas en cause. Si vous vous mandatez pour me donner une mission, c'est-à-dire que je ne vous remplace pas, vous me déléguez pour aller représenter quelque chose. Et si vous voyez que mes compétences sont un peu limitées dans certaines choses, vous avez l'obligation
et la responsabilité de prendre vos... De le faire, de vous-même. C'est à ce niveau-là que le peuple joue. Parce que nous sommes les souverains primaires. Partout où il passe, au bout de 5 ans, il revient vers nous pour solliciter de nouveaux suffrages en fait d'exercer. Donc, être le représentant du peuple ne veut pas dire être le remplaçant du peuple. Le peuple garde tous ses pouvoirs de contrôle, d'interpellation, mais aussi de dénonciation et de manifestation, de protestation. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui la possibilité de nous mobiliser pour se dire « Monsieur le Président de la République, nous vous avons élu pour que vous puissiez nous rassurer de la paix, de la sécurité, des soins de santé, de l'accès à l'eau et à l'électricité et de l'intégrité territoriale, comme je le disais tantôt. Et vous n'êtes pas capable, nous nous mobilisons, nous nous disons « Monsieur, est-ce que vous pouvez démissionner ?» Autant pour les ministres, autant pour les députés, parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de demander au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est nous qui l'avons donné le mandat et c'est nous qui lui donnons encore le pouvoir de dire dissolver cette Assemblée parce que nous ne trouvons pas son importance. Par exemple, vous voyez, donc le président de la République a tout intérêt effectivement de mettre en place des gens qui sont capables effectivement de répondre aux attentes de la population et lui-même y compris. Parce que si... il ne le fait pas, je vous dis que la colère du peuple, il est imprévisible et à tout moment ça peut barder aujourd'hui surtout avec la misère qui bat les corps, si les autorités ne cherchent pas des solutions de manière rapide. La nouvelle première ministre a du pain sur la planche, les attentes sont tellement énormes et je l'ai toujours dit que le mandat, le deuxième mandat que nous avons accordé au président Tshisekedi, ce n'est pas par amour, c'est par défi, nous lui mettons devant un fait accompli en disant monsieur le président de la République, voici le nouveau défi que nous vous lançons, il faut que vous puissiez être à la hauteur de pouvoir répondre favorablement aux attentes de la population. Si tel n'est pas le cas, Kabila avait eu la forte pression populaire. En tout cas, si les attentes de la population ne sont pas bien répondues, en tout cas, on risque encore de se retourner contre M. Félix Tshisekedi alors qu'il a inscrit son mandat sur les objectifs du peuple d'abord et c'est de là que nous l'entendons. Pour son premier mandat, il a dit qu'il a été bloqué par les FCC, des histoires de Covid, et qu'il faut corriger les erreurs du passé. Et il a reconnu cela à travers son discours d'investiture pour le deuxième mandat en disant que nous avons appris de nos erreurs et nous comptons corriger les erreurs du passé. C'est le moment de les corriger. Le gouvernement est déjà mis en place. Les députés, tout le monde a chacun à son niveau. Toute personne qui a une parcelle du pouvoir de l'État, il doit le faire de manière loyale et de manière fidèle à la République. Tokomela, Tozo Lobela, Sango, Ekwei, Lelo Tongo, beaucoup de gens se posent de milliers de questions, chacun entre eux d'apporter son analyse, mais vérité, il y a Banina noté parce que, oh, Salemaki, le temps que les Congolais ne s'entendaient pas, qui est Salema. 10 jours après, il faudra dire. Quelques jours après sa nomination en tant que ministre délégué pour le ministre de l'Environnement et Développement Durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba a déposé sa lettre de démission du gouvernement. Alors, il faut préciser que quand j'ai lu même son compte Twitter, son compte X, elle a dit que c'est pour des raisons de convenance personnelle. Moutoyer bite donc Isaïe Mogo. Maintenant, là, on est en train de faire des analyses et émettre des hypothèses. Qu'est-ce qui aurait été, qu'est-ce qui l'a poussé effectivement à présenter sa démission à moins de 10 jours de sa nomination? Parce qu'il y a moins de 10 jours qu'on a investi le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, quelques jours après, nous voyons déjà la première démission des ministres délégués, effectivement. Et moi, en tant que chercheur, effectivement, dans le cadre de fonctionnement des institutions, je me suis dit, est-ce qu'elle ne s'était pas retrouvée dans de très mauvais draps, effectivement, dans le cadre professionnel, parce que le ministère délégué aujourd'hui n'a aucune administration. Comme vous le savez, tous les ministères sont attachés à l'administration, notamment les secrétariats généraux, des divisions, les cabinets et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Mais il se retrouve effectivement dans une position où c'est un ministère délégué et ce ministère il est à la fois délégué à l'environnement où on parle de l'économie climatique et de l'autre côté on parle du développement rural. Et du coup se retrouvant déjà dans une telle position et se dit quel serait mon rôle
ou mes fonctions, alors qu'il y a un ministère de l'Environnement d'une part et le ministère du Développement rural. Et les fonctions qui la reviennent à elle sont parfois des fonctions qui sont dans les attachées dans des ministères. Dans des ministères de l'Environnement. Et du coup, il y a aussi d'autres cabinets, même au niveau de la présidence, qui s'occupent de l'environnement. Vous voyez ? De l'autre côté, ça pourrait être peut-être des pressions politiques qui pourraient intervenir d'une manière ou d'une autre, parce que vous savez qu'il y aura un autre ministre, effectivement, au nom de la géopolitique qui avait été soulevé, où il y aurait un ministère réservé à la province du Maniema. On ne sait pas si c'est pour cette raison qu'elle se retire pour que ce ministère soit là, en vue de ne pas perturber l'ordonnance où le nombre de ministères est tel que budgétisé de 55 portefeuilles, parce qu'il y a la première ministre et les 54 autres ministères. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'elle a cédé? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'il y a eu des appels, peut-être des sollicitations où elle pourrait être annexée dans une autre entreprise publique de l'État où il y a plus d'avantages? Nous ne savons pas. Mais moi, j'encourage seulement sa bravoure parce que la culture de la démission aussi dans notre pays n'est pas beaucoup plus active. Je l'ai dit effectivement par connaissance. Donc, c'est pas un peu récurrent. C'est rarement que nous voyons les gens démissionner. Et si elle pourrait prendre vraiment un tel courage pour présenter une démission, ça prouve à suffisance qu'il y a une nouvelle culture politique, la maturité politique qui commence à être observée dans la sphère politique congolaise. Et aussi, comme c'est une jeune fille, ça prouve à suffisance que les jeunes Congolais aujourd'hui, ils ont cette maturité, ils n'ont pas besoin de se cramponner sur des choses pour lesquelles ils subissent peut-être des pressions ou dans lesquelles ils ne se retrouvent pas apparemment, tout ça, ça peut intervenir effectivement, parce que vous savez que le peuple congolais est aujourd'hui très exigeant. Et voir tout un ministre qui ne fait rien, qui ne rendra peut-être compte à personne, et elle est là uniquement pour percevoir des salaires et tout. Et elle s'est dit peut-être, moralement, elle s'est dit, c'est le moment pour moi de présenter cette démission. Mais aussi, elle ne retrouve pas peut-être des capacités pour assumer les fonctions de ces ministères-là. Mm-hmm. Moi, je l'encourage, en tout cas très sincèrement, d'avoir déposé cette démission. Alors voilà, on sera en train de finir ici. TV Eza Radio T Nyoso Tozolo Belangwa Wana Christophe Mouissa Moko ya bazen déterminé à mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Boni boko si disango. Parce que c'est toute bon, une c'est... chose au Yolobaka chaque fois. Oui, c'est fait. Nous allons mettre fin à cette insécurité. Le premier élément aujourd'hui. Bah, c'est ville bazen. Boni. Non, le premier élément aujourd'hui pour mettre fin à l'insécurité, nous l'avons déjà prouvé. Mm-hmm. C'est d'abord la prise de conscience. Nous avons pris conscience que nous sommes en face d'une agression. Nous sommes en face des bandits. Et nous sommes en face d'une complicité internationale. C'est déjà un premier élément. Et aujourd'hui, lorsque vous faites même votre micro-baladaire et vous entendez les Congolais, ils vous disent que nous sommes en pleine guerre. C'est-à-dire, nous devons déjà avoir cette attitude et ce comportement de la guerre. Le deuxième élément est en train d'être prouvé, effectivement, c'est la dénonciation. Aujourd'hui, à travers le monde entier, on connaît qu'il y a un génocide qui se passe au Congo, dont le monde veut... veut fermer ses oreilles, et les médias occidentaux, la plupart, ne veulent pas en parler comme il en faut pour d'autres cas. Le troisième élément, c'est la résistance. Et cette résistance aujourd'hui est exprimée de tous les côtés, que ce soit du côté du peuple, où nous nous mobilisons davantage pour dire nous ne céderons jamais, quelle que soit l'agression, quelle que soit la complicité et le complot international et la pression effectivement qui pèse même sur nos institutions aujourd'hui, en fait qu'ils acceptent les dialogues avec tout l'agenda qui nous ramènera le Rwanda, nous résistons. Les FARDC continuent à maintenir une véritable pression et une montée en puissance. Vous êtes en train de les voir. Comment est-ce que nous nous approvisionnons aujourd'hui en matériel militaire? La loi de programmation militaire au niveau de l'Assemblée est déjà adoptée. Et du coup, ce sont des éléments qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, nous avons toute la bonne volonté de mettre fin à cette insécurité avec une forte collaboration entre la population, l'armée, ainsi que les animateurs des institutions. Le dernier élément, effectivement, c'est cet appel à la mobilisation générale que le président de la République avait fait en appelant les jeunes Congolais à former ce qu'on appelle le groupe de vigilance. Et vous avez vu à travers cet appel, il y a eu plusieurs adhésions au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Et il y a eu effectivement
les Oazalendu qui se sont réorganisés davantage pour se mettre du côté des FARDC en fait de commencer à mener la guerre. Et ces quatre éléments que je vais d'énumérer aujourd'hui font peur à toute l'humanité et à tous ceux-là qui tentent de faire des aventures en République démocratique du Congo. Je vous ramène à l'histoire qu'en 1997, lorsque Mouzé avait commencé son agression, il n'avait pas pris toute une année. Dans moins d'une année, ils étaient déjà à Kinshasa, environ 7 comme Nanga le prétend qu'il va arriver à Kinshasa. Entre 7 et 8 mois. Ils ont, Mouzé est arrivé, il a pris le pouvoir, il a senti effectivement qu'il était poignardé dans le dos à travers les alliés, notamment le Rwanda encore et l'Ouganda, soutenus par la communauté internationale. Les Congolais ont fait encore un autre bloc. Et ce bloc-là n'a pas permis qu'il y ait ce coup d'État-là qu'ils approvisionnaient déjà une année après l'accession de Mouzé au pouvoir, le 2 août. Et c'est de là qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé les RCD. Les RCD, effectivement, n'avaient pas eu non plus l'adhésion populaire de la population. Ils s'étaient arrêtés uniquement dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et les Maniema et quelques parties de la province orientale après qu'ils aient aussi connu des défections en interne jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs fractions d'IRCD. RCD KML, RCD Goma, RCD N et plusieurs autres fractions. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils se retrouvent presque dans la même difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de comprendre que l'influence, la manipulation est en train de toucher à sa fin. Et en 2012, pensant qu'ils vont encore tenter la même aventure, ils se sont arrêtés à Goma. Aujourd'hui, ils ont du mal à traverser Sake, ils ont du mal à traverser Kibumba, ils ont du mal même à percer là où ils tentent des aventures à aller vers Mabenga pour s'accaparer de la cité de Kanyabayonga. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'adhésion populaire. Donc cette résistance aujourd'hui se manifeste par le fait que la population comprend les jeux du Rwanda, comprend les jeux de la communauté internationale. Et la balkanisation pour laquelle ils ont toujours rêvé, ça n'arrivera plus jamais. Certainement, nous avons des difficultés internes, nous les réglerons en interne, mais vouloir recourir aux armes avec les ennemis de la République pour renverser des pouvoirs légitimement établis, ça ne passera pas parce que les Congolais sont tellement éveillés. Aujourd'hui, ils aiment leur pays et ils se disent, nous ne pouvons plus trouver des présidents effectivement qui vont mourir au pouvoir ou qui vont partir par le coup d'État militaire. Raison pour laquelle vous avez vu même la tentative de M. Malanga n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que la population ne se retrouve pas dans des actes criminels, dans des moyens subversifs pour aller renverser des régimes légalement établis et légitimement établis. Certes, comme j'étais en train de le dire, il y a des difficultés sur le plan de la gouvernance dans notre pays, mais ce n'est pas pour autant que nous devons recourir aux armes pour prendre le pouvoir. Il y a chaque 5 ans les cycles, le processus électoral qui intervient, et c'est de là que nous devons nous focaliser, mobiliser la population pour aller voter, pour aller réclamer effectivement le droit au vote et la revendication des véritables résultats des urnes. Si tel serait le cas, en tout cas nous serons en train de nous réjouir, mais recourir à des pays ennemis, notamment l'Union Européenne et l'ensemble de la communauté internationale, passant par le Rwanda ou l'Ouganda et même le Kenya, pour venir renverser le pouvoir ou tuer des chefs de l'État, en fait de prendre leur poste, en tout cas nous les Congolais se sont déjà opposés, raison pour laquelle Nanga aujourd'hui regrette même son aventure qu'il est en train de faire, et ça n'aura pas, ça ne durera pas longtemps. Alors, parce que bientôt il y aura une véritable victoire des FARDC sur les RDF, sur les UPDF, et c'est le peuple congolais qui en sortira vainqueur. Alors on va finir, je rappelle ici quelques minutes, une minute, et on va prendre fin de cette émission. Vous avez Longo na Costa Mutamba na Lit, vous avez lité ensemble, et le Loaza à Excellence Mutamba, za ministre de la Justice, le Loni ni message aux autres. Alors nous continuons à l'encourager parce qu'il est en train de gérer un secteur aussi très crucial et très sensible aussi. Donc nous lui recommandons qu'il aille avec beaucoup de stratégies parce que nous savons que ce système, c'est un système ancré de beaucoup d'antivaleurs. S'il y va avec beaucoup de précipitation, en tout cas, je ne doute pas fort qu'on peut même l'empoisonner. Je l'ai dit sur cette chaîne ici parce qu'elle est parmi les chaînes les plus suivies en ligne. Je l'ai dit que notre collègue Constant Mutamba, en tout cas, il doit faire l'honneur de toute la jeunesse. Il doit honorer la mémoire de toutes les victimes, notamment les victimes des injustices comme les Chéribert Okende, les Floribert Chebea et les autres qui sont aujourd'hui tombés, en tout cas de manière innocente, sur les différentes lignes de fond par rapport à leurs convictions personnelles. En tout cas, nous pensons qu'il est le moment
de réformer l'appareil judiciaire, notamment en mettant des magistrats dans de très bonnes conditions. Des prisons doivent être construites et les OPJ et tout le monde doit respecter la procédure judiciaire. Mais aussi, il doit lutter contre les impunités, comme j'étais en train de le dire, et l'accès gratuit aux services de justice. Parce que nous sommes très frustrés aujourd'hui de voir que la justice commence à être monnayée dans notre pays. Vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous avez des moyens. Mm-hmm. Lorsque vous allez en justice avec quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire vous avez la possibilité de l'écraser. Donc, nos magistrats doivent faire preuve d'impartialité, de neutralité, comme leur serment les exige. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que Constant Moutamba sera en train de faire un grand travail, bien que ça ne sera pas facile, mais nous pensons que c'est possible de le faire et d'y arriver avec le soutien du peuple congolais, bien évidemment. La justice militaire, il doit s'y focaliser aussi. Mm-hmm. Le détournement des deniers publics de tous ces ministres-là. Il est en train de proposer Batonga prison et ils doivent être dans les mêmes prisons que les autres. Ils sont traités de la même manière. Ce sont des infractions, en fait. Donc, il ne doit pas avoir une prison de luxe pour les uns et une prison misérable pour les autres. L'essentiel aujourd'hui, c'est une question de mettre nos prisons, nos maisons carcérales dans de très bonnes conditions, de les soigner pour que les gens effectivement qui y entreront ne soient pas traités de manière indigne ou de manière inhumaine, tu vois. Donc les prisons doivent être construites pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir des prisons catégorisées par rapport à d'autres. Tout le monde doit entrer en prison lorsqu'il est coupable de certaines infractions. Il doit aussi également veiller, c'est le dernier élément, il doit veiller sur la déclaration des patrimoines de tous les ministères, de tous les députés et de tous les ADG et les PDG. Le temps de nous permettre effectivement de comparer les salaires des ministres, des députés, des ADG, du président de la République par rapport à leurs revenus, mais aussi par rapport aux avoirs qu'ils auront. Tout celui qui pourrait avoir des excédents en termes de calcul économique de leurs avoirs, de leurs déclarations et leurs salaires, en tout cas, tous ces biens-là doivent être récupérés et être rendus à l'État. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cette émission. Balandia Congo Live Télévision pour Nabiso Eza Honneur. Makasi Koye Babino Ebele, Bolanda Kibiso du début à la fin. C'était Christophe Mouissa, un des jeunes congolais, baza engagé lelo pour le changement en République démocratique du Congo. Toujours sous Kana numéro Nayo. Mon numéro, c'est le plus 243. 9 98 33 58 60. Dames, messieurs, merci de votre fidélité. J'étais Youssouf Okibingila David. Je vous fixe un autre rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Je vous remercie de votre fidélité, mais également je remercie M. Mouissa d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.